Ici GameDookie, et bienvenue dans un nouvel épisode de mon Walpo sur Metroid Prime Echoes. Bon, suite aux incidents de support caméra de la dernière vidéo, nous avons donc pris des mesures. De grosses mesures. Forcément quelqu'un s'en occupe. Bon. Donc pour ce qui est de ces problèmes de support caméra, nous avons donc simplement changé de support. Le précédent étant probablement en train de mourir dans les ténèbres. Ou toi, pas ta façon d'être. Non. La dernière fois, est-ce que toutes les clés avaient été prises ? Vérifions donc inventaire, diverses clés, ruche, tombe du ciel, oui, torbus sombre, terre du temple, wagon sombre, c'est la ruche. Terre du temple, il en manque une évidemment, voilà. La dernière clé vient donc d'être localisée. Localisé, je savais déjà où elles étaient toutes en fait. Je connaissais déjà leur emplacement. Mais bon, je ne sais plus précisément ce que j'avais fait la dernière fois. Car je ne regarde pas mes propres vidéos. Ça ne se fait pas de s'augmenter ses propres vues soi-même. On va passer donc par là. Là, j'ai dit. On n'a pas donc. Passer un coup par le vaisseau. Voilà. Voilà, donc en fait, j'espère que vous n'entendez pas les bruits des conversations qui est en bas. Parce qu'il y a encore du monde qui parle. Bon. Ah, tant pis. Quand c'est pas mon support qui est foireux, maintenant que j'ai réglé le support, maintenant c'est le monde qui est autour qui aime gêner. Bon, oui, mais on s'en fout de vous. Ou toi, et puis merde toi franchement, allez les fédérations, voilà, allez crever. Oh, retourne dans les petite chose qui marche aussi. Bon, voilà, pour le paralyser il va plus bouger comme ça. Et là, désintégration. Voilà, bon. Faut que je me lance ça. La puissance, c'est beau la puissance. Regardez. Ce support est quand même mieux. Bon, il bouge un peu quand je bouge sur ma chaise. Puisqu'il est servi à la chaise, forcément. Mais, il ne tombe pas. Bon, une petite explosion sombre pour vous faire plaisir. Allez. Ça permet donc ainsi de faire cette véritable rangée de combo de charge. Ce qui vous plaît. Parce que comme ça, en tournant en vaisseau avant de recharger, je balançais tout ce qu'il y a donc. Allez, on va balancer une jolie petite grain de lumière là. Oh, c'est si joli. C'est beau, je trouve. Bon, on prend un peu de sérieux ensuite. Par contre, là pour une fois, on va être un peu radin sur les munitions. Oui, je sais ce que j'ai dit. Être radin sur les munitions, oui. Parce que nous allons faire une clé et dans la lancée, le dernier boss, puisque. Peut-être pas dans la même vidéo par contre. Mais. Parce que. J'ai pas envie de retourner au vaisseau et de faire aller-retour supplémentaire pour juste recharger. Donc on va être un peu radin sur les munitions.
Donc voilà. Radinisme des obus. Donc là, les notes en merdeur favori. Que je vais donc utiliser ma technique de petite dépense face à eux. Voilà. Ma technique de faible dépense. Ainsi les trois, je les aurais fait en 15 balles et 3 missiles. Voilà. Maintenant, on va récupérer des munitions. Pétant les caisses, là, voilà. Pétant les caisses, donc. Voilà. Récupérer quelques balles, puisque ça devrait être pratique. Bon. 249 partout, voilà, c'est mieux. Il manque une munition de chaque. C'est pas énorme, mais je pourrais pas accéder à rien de toute façon. Bon, pour les missiles, par contre, c'est moins grave puisque 115, c'est... enfin 112 restants, voilà, c'est pour. Par contre, les missiles, ça, on va pas hésiter à mettre le paquet là-dessus. Hein. Puisque les missiles, hein, voilà quoi. Pas besoin d'en avoir, enfin ça s'use moins vite que les munitions quoi, les missiles. On va tirer un petit peu au rayon anti-missile quoi, mais un tout petit peu. Voilà, donc cette nuit déjà pour le juste avoir rien foutu. Bon là on se soucie pas de ces bestioles. Les PV, ça par contre on en a un beau paquet quand même. J'en ai oublié, oui. J'en ai oublié des PV, ça c'est évident. J'en ai oublié. Bon, donc là, petite technique. Voilà. Voilà, le premier a gardé le venir, lui, attiré par la par cette chose là. Balise amplifiée. Par rayon antimatière, ce qui fait que l'énergie sombre les attire et la lumineuse les détruit. Bon, hop. Voilà, ça c'est fait. Non, pas d'ascenseur. L'accès est bloqué. Tentacules partout, d'énormes tentacules mutants. Mais, réserve de missiles, ça y a. Dégueulasse d'ailleurs, je trouve personnellement. Terre du rituel guerrier. Oh, ça sonne mal pour moi, ça par contre, comme titre. Munition que j'ai pu oublier. Enfin, énergie que j'ai pu oublier. Oh là là. Énergie que j'ai pu oublier. D'y réfléchir. Où est-ce que j'ai pu oublier des réserves d'énergie? Où est-ce que j'ai pu en oublier? Quel endroit précis ça a pu arriver? Oui, donc évidemment, le jeu ne sera pas fait en 100%, hein, mais c'est évident. Tout est fait pour rusher l'histoire en fait. Mais bon, il permet quand même d'obtenir un nombre d'items, on va dire, correct, suffisant, voilà, suffisant pour pouvoir survivre. Bon, voilà, et là, une petite balle tirée, voilà, et tous nos idiots vont venir, donc, voilà, regardez-les, ils vont tous venir se kamikazer comme des idiots. Pendant ce temps-là, moi, tranquille, je m'occupe de la clé, voilà. Tombeau profané, oui, voilà.
voilà. Tous ces ignes stupides ont donc foncé dans le champ de force d'OP. Là, j'ai fait plusieurs ignes morts d'à peine 4 tirs. Fait plus de morts que j'ai tiré de munitions d'ailleurs, avec ce rayon. Voilà, hop. Tirer avant, quoi que comme on a des PV en même temps, on peut se permettre un peu de faire l'idiot. Et là, chose importante, ah oui, ne venez pas tout de suite dans le champ de lumière, mais prenez le temps de scanner ça. Voilà, parce que vous ne le saurez pas, vous pouvez pas le scanner après donc. Et tous les trucs rouges qui se trouvent autour là. Statuette rouge, faut toutes les scanner aussi si vous voulez toutes les données. Faut toutes les scanner. Et quand vous aurez quand vous aurez toutes les clés, vous serez venu là-dedans donc. La première clé est déjà mise en fait, hein. Normalement il y en a 10. Mais la numéro 1 est déjà mise. Paracal. Il est mort en foutant la première quoi. Tout le reste, voilà, sont pas mises. Vous allez sur vous les autres. Et quand elles seront toutes mises, donc c'est cette grande structure là qui contient ces statues à scanner. Va se rétracter, donc les données ne seront plus accessibles. Donc faut toutes les scanner, voilà. Enfin, scanner deux pour vous montrer, voilà. Après, ça vous démerdez. De toute façon, qui à la fin pètera, faut y voir. Donc il faut que vous ayez tout scanné tout ça, parce que là je n'ai pas fait. Voilà, moi j'ai tout rassemblé d'un coup en fait. Voilà. Pof, toutes les clés sont activées, voilà. Accéder au temple du ciel, voilà, il allait finir le jeu donc. Que je ferai donc dans une prochaine vidéo parce que j'ai pas envie de faire tout d'un coup. Voilà, tadam, en rayon de lumière. Et donc là, allez, on va y aller, hop, zou. Une petite cinématique à vous attendre. Hop, voilà, ça c'est fait. Je pense, tiens. Attendez. Je réfléchis, soit est-ce que j'ai pu laisser des réserves d'énergie, parce que ça m'intrigue un peu. D'habitude, j'arrive à toutes les faire. Dans la partie 100% que j'ai là-dessus, enfin, il me manque une réserve de missiles sur une autre partie. Je me souviens. Ah, ça y est, je crois me souvenir, j'ai oublié les réserves d'énergie. Je m'arrête Tornus déjà. Aucune de m'arrête Tornus, oui, il y a une certaine pièce. Si vous avez un problème avec cela, mettez un commentaire sur les vidéos. Ah bon. Si le fait qu'il manque des items vous pose problème, contactez par message directement. Faites-le par soit commentaire sur vidéo. Oula. Que vient-il de se passer là? Le nouveau support. Lui aussi. Non, je suis poursuivi par la camelote. Bon. Donc là, des petites munitions, tiens. Hop. Voilà. Mais ça m'en fout encore de ça. Voilà, ce sont les balles qui m'intéressent, moi. Voilà. Donc là. Oui, bon, l'enlever est toujours aussi con. Un peu aléatoire, en fait, pour les munitions. Hein. Et puis merde. Bon, et puis autant équilibrer, hein. Voilà. Ça, autant de munitions dans un rayon que dans l'autre. 247 partout. 247 sur 250, ça devrait aller. J'ai de quoi me démerder avec ça quand même. Bon. Hop, voilà. Clonk. Voilà. Décaler, voir comme ça le nouveau support, que c'est comme ça que je vais le mettre, parce que c'est un peu de bricolage aussi, hein, c'est... Donc là, pour passer à là-bas, hop comme ça que je fais. Enfin, vous pouvez aussi aller avec les trucs là-bas là. Donc là, oui, comme c'est le lieu
Mais le lieu sacré pour les Ying, évidemment, tout est un peu en bordel, quoi. C'est-à-dire que la porte est en haut, donc double saut pour y accéder. Ensuite, vous avez quoi? Voilà, je dis en rythme pour que vous puissiez le refaire. Donc là, vous avez des câbles comme ça, là, des sortes de drôles de câbles qui passent, là. Un scanlab où il n'y a pas d'ascenseur, là. Comme d'habitude, dans la grande logique, des portes comme ça. Là, un truc à scanner, là, si vous voulez, voilà, mais c'est pas très utile. C'est l'énergie, c'est toute l'énergie vitale qui reste dans les terres sombres. Et donc, eh bien, merci d'avoir regardé pour ceux qui l'ont fait. Et bah, à bientôt pour la prochaine vidéo. Et pouce vers abonnement, ça fait plaisir. À bientôt.